Thank you.
Roberto Kovács. Markel Humphrey sur la ligne pour permettre à Montet de faire la course en tête dans ses premières secondes. Une minute de jouer et Genève qui va aller tenter d'attaquer cette défense chablaisienne qui a vraiment été intraitable lors des deux dernières parties. Ils ont été brillants, les Valaisans, en défense. Et regardez comme c'est dur pour l'instant de trouver des espaces. Milka qui se montre agressif vers le cercle. C'est un très bon panier du pivot lituanien. Milka qui monte gentiment en puissance. Il avait débarqué dans l'équipe genevoise dans l'acte 3 après la blessure de Brandon Garrett. 11 points pour Milka. Samedi en Valais. Et donc le premier panier de son équipe. Le rebond pour Timberlake. Et pour l'instant, c'est un petit peu comme lors du dernier match. On sent les équipes qui s'observent pas mal. Emilka, le rebond. Le Lituanien qui commence très bien cette partie. C'est Ballard hein, qui avait tenté de se frayer un chemin parmi au milieu de trois Valaisans. Et derrière, Milka qui a bien suivi l'intensité en tout cas. De la part du pivot genevois, elle est là dans ses premiers instants. Maboto contré illégalement, selon les arbitres, par Marco Mladjan, qui s'était fait l'auteur d'un bon contre, mais qui apparemment a touché ensuite son adversaire. Les deux anciens coéquipiers qui se bousculent. C'était très chaud samedi en Valais entre Mladjan et la plupart des joueurs montésans. Mladjan qui est un ancien membre du BBC Montaire. Et aujourd'hui, c'est à la vie, à la mort, bien sûr, pour les Lions de Genève. Marco Mladjan qui va devoir malgré tout bien rester dans son match et surtout scorer, prendre des rebonds, c'est vraiment la mission de Mladjan aujourd'hui pour Genève. Maroto, il connaît par cœur cette salle, on vous l'a dit, il a évolué, il a commencé sa carrière de Liga ici même et il fait 2 sur 2 sur la ligne. Chad Timberlake vers Mladjan.
Duba qui défend sur Ballard. Kovac a un peu d'espace, il n'a pas pris le shoot et il ressort vers Mladjan. Cette fois-ci, la deuxième fois, hein, qui avait peut-être un peu de place pour Roberto Kovac. Mais Marvoto fait faute derrière sur l'artificier à 3 points des Lions de Genève. Alors, vous l'a dit, Kovac, bah, il a besoin d'être très très bon. Il avait été étincelant lors de l'acte numéro 3 ici même, avec 26 points et notamment un 5 sur 9 longue distance. Aujourd'hui, c'est exactement la même marchandise qu'il doit livrer pour que Genève ait une chance d'égaliser à 3 partout dans cette finale palpitante. Chad Timberlake, la mise en jeu vers Mladjan. Et Mladjan, agile, léger, s'envole vers le cercle. Genève commence plutôt bien cette rencontre. Milka qui est au marquage de Jordan Heath. Duba contre Mladjan, chaud, chaud face à face en perspective. Il a failli perdre le contrôle du ballon. Duba en deux temps, il marque ce panier. Et dans ses premières minutes, c'est Chad Timberlake qui s'occupe de monter le ballon pour Genève. Ballon touché par Brandon Young, ce sera donc remise en jeu pour les Lions. Kovac qui avait passablement souffert vraiment de la chaleur extrême en Valais samedi dans la salle. Le ballon qui glissait et le bon panier de Chad Timberlake, si je ne me trompe pas. C'est un bon début de match, hein. En attaque en tout cas des Lions qui doivent défendre ici sur Humphrey. L'action individuelle de l'ancien pensionnaire du poignet. Monter reste au contact. Mladjan Duba en duel et en discussion avec les arbitres. Ce sont des scènes qu'on risque de voir assez souvent ce soir. Timberlake vers Kovac. Kovac qui prend cette fois-ci son premier tir de la partie. C'est raté. C'est un shoot un peu compliqué, un peu forcé de la part du top scorer genevois. Donc c'est lui qui porte ce maillot distinctif en l'absence, on vous l'a dit, de Chris Braswell. Le top scorer habituel qui avait été très mauvais samedi dernier. Oh, le panier de très très loin là de Brandon Young, le meneur valaisan. Brandon Young, il peut prendre feu, hein. Il faut vraiment que les Genevois serrent la garde au plus près sur Brandon Young. Très difficile à défendre sur lui. Jean-Marc Jomin le sait, hein. Toujours très habile dans ses lay-ups. Brandon Young, le numéro 22 du BBC Montaigne, qui peut finir main gauche, main droite. Un vrai poison pour les défenses adverses. Ça frotte ici avec Timberlake. Timberlake qui a le ballon. 10 secondes encore dans cette possession. Et les Montaisans qui vraiment essayent de donner le moins de terrain possible vraiment à leur adversaire dans ce premier quart-temps. Les premières rotations dans cette partie avec deux changements dans les rangs valaisans. L'entrée en jeu de Rodrigue Mazzal, numéro 4, qui avait été très bon lors du dernier duel avec 11 points et notamment des paniers dans des moments importants. Mladjan, Humphrey, il y a la place cette fois-ci pour Kovac qui se rate. Toujours pas d'adresse donc pour Roberto Kovac dans ce début de rencontre. Kovac face à Sinclair, cette fois-ci il va attaquer le cercle. Pas chanceux avec son tir et ce ballon qui flirte avec l'anneau. Beaucoup de fautes, hein, dans ce premier quart de la part du BBC Montaigne. Et celle-ci de Sinclair va envoyer Kovac sur la ligne. Kovac qui rate le premier. Mauvais départ en ce qui concerne l'offensive pour Kovac. Allez, il peut débloquer son compteur maintenant. 1 sur 2 pour Kovac. Les Lions de Genève avaient tenu un carton, 10 minutes lors du dernier duel
avec 2 points de retard après le premier quart. Ils doivent évidemment faire mieux aujourd'hui. Et la balle perdue un peu bêtement par les Chablaisiens. Sinclair incapable de réceptionner cette mauvaise passe. Regardez Sinclair, hein, qui vraiment ne laisse pas respirer Kovac. Milka, il est loin de la raquette et il cherche Mladjan dedans. Là, même Mladjan entre Humphrey et Mazza tout près, ça va être difficile de se mettre en position de shoot. Et ce shoot difficile ne rentre pas. Montait un peu de peine en tout cas, aussi à poser ses schémas offensifs. Brandon Young qui demande à quelqu'un de venir poser un écran. On ressort vers Humphrey qui a beaucoup de place là à longue distance. Humphrey, on vous l'a dit, il connaît bien cette salle. Il a évolué la saison passée avec les Lions de Genève. C'est une grosse perte quand même, hein, quand il a quitté le club pour rejoindre Montaigne. Il a ses repères et il le prouve avec ce tir longue distance. La possession galvaudée avec cette grosse agressivité défensive des Valaisans. Et derrière, Sinclair qui fait marcher avant de s'envoler vers le cercle. Panier pas accordé. Au plus grand désarroi de Niksa Bavsevic. Bavsevic qui ne cesse de discuter avec les arbitres. Qui est quand même un entraîneur controversé, il faut bien l'admettre, dans le championnat suisse. Il avait pris 8 matchs de suspension pour comportement agressif envers les arbitres après la défaite en finale de la Coupe de Suisse. Il s'était fait sortir plusieurs fois lors de matchs de la saison régulière. Chaud bouillant, le coach valaisan. Milka commence très bien cette partie, pivot lituanien avec ses 2m03. Et déjà 6 points pour lui. Il permet au Lyon de rester au contact des Valaisans. La défense de zone 2-3 des Lions de Genève. Plus que 5 secondes dans cette possession. Le shoot de Young. Ça va être quand même compliqué pour les Lions. Si Young, Humphrey, trouve directement les repères dans cette salle. Évidemment, c'est le danger. En proposant ce genre de défense, vous offrez automatiquement plus d'espace au tir pour l'adversaire. Le baromètre vraiment depuis le début de cette finale, ce sont les rebonds. L'équipe qui gagne la bataille des rebonds gagne le match. C'est la constance depuis le début de cette série. Paul Gravel là qui va rentrer et donner un peu de repos à Milka qui a effectué un bon début de match. Milka, et je vous le disais, donc depuis le début de la série, l'équipe qui a gagné la bataille du rebond a gagné chaque fois le match. Ça va être quand même un peu particulier ici pour Mladjan qui se fait huer par les supporters valaisans dans sa propre salle. Mladjan qui fait fi du contexte, 1 sur 2. 3 points pour lui pour l'instant. Pour l'instant, ce sont les Lions de Genève, hein, qui dominent dans ces buts de rencontre et rebonds. 7 prises à 4. Malgré tout, ils sont derrière au tableau d'affichage, surtout à cause de l'adresse des Valaisans qui ont tout de suite trouvé leur marque longue distance. Young face à Chaz Williams, avantage de taille. Mais le tir raté, allez, là il y a peut-être une situation de transition à jouer avec un avantage numérique. La bonne passe de Williams vers Gravet qui est allé provoquer la faute d'Humphrey. Le BBC Montaigne offre tellement peu de paniers faciles au Lyon de Genève que les Genevois doivent vraiment essayer d'en profiter quand ils sont des situations de contre-attaque, vraiment de courir, mettre de la vitesse dans le jeu de transition et essayer de s'offrir des paniers faciles. Ça fait 2 fautes, hein, quand même déjà de la part de Markel Humphrey. 2 fautes aussi pour Mickaël Marmotto dans les rangs valaisans dans ce début de match. Paul Gravet qui doit prendre un petit peu plus de hauteur, encore un peu plus de responsabilité aujourd'hui. Tous les Lions vraiment doivent élever leur niveau de jeu s'ils veulent vraiment contredire aujourd'hui le chemin vers le titre du BBC Montaigne.
1 sur 2, peu de réussite quand même dans ce premier quart sur la ligne. Le tir à 3 de Chad Timberlake, de Gruninger, pardon, Randen Gruninger, c'est raté. L'adresse, le manque d'adresse avait tué les Lions de Genève lors du dernier duel. Il faut vraiment qu'ils trouvent le chemin du cercle aujourd'hui. Ce qu'a fait Humphrey, et Humphrey qui commence très fort cette partie, déjà 8 points pour le top scorer valaisan. Chaz Williams qui se faufile la vitesse. Mais son tir en foulée, il est presque arrivé trop vite vers le panier. On a pas réussi à redresser ce ballon, Chaz Williams. Et attention, ils sont en train de créer une première petite différence. Les visiteurs chablaisiens avec 5 points d'avance. Alors ça, c'est une scène qu'on a vue très très souvent samedi passé. Dans cette salle du reposieux où il devait facilement dépasser les 30 degrés, une vraie fournaise, on a dû très souvent balayer le parquet évidemment, enlever toute cette sueur, éviter que les joueurs ne glissent. Ça avait posé quand même quelques problèmes au niveau des shoots, du contrôle du ballon, hein, avec tellement d'humidité sur le ballon. Il fait quand même moins chaud aujourd'hui au pommier. Et regardez comme on a facilement trouvé Duba avec ce alley-oop. Pas assez d'attention dans la défense pour les Lions. Attention, 7 points d'avance. Attention pour Genève. Chaz Williams qui fait tout seul ressort à 3 points vers Gruninger. Il faut que ça rentre pour les Lions. Et ça ne rentre toujours pas avec la grosse faute derrière de Chaz Williams. Bah, ils avaient effectué 5 bonnes premières minutes de jeu, les Genevois. Ils sont en train un peu de passer à côté de la fin de ce premier quart. Je vous parlais d'adresse tout à l'heure. Elle avait été crasse pour Genève samedi en Valais avec seulement 35% de réussite contre 51% en valaisan. On pense évidemment qu'en étant de retour dans leur salle, ça sera mieux pour les Lions. Mais c'est très dur dans ce début de rencontre. Et là, Sylvou Hissin qui se fait manger en 1 contre 1 contre Brandon Young. Et évidemment, le temps mort maintenant demandé par l'entraîneur des Lions de Genève, Jean-Marc Jomain. Il faut stopper au plus vite l'hémorragie. 22 à 13 pour les Valaisans. Déjà 9 points d'avance. Jean-Marc Jomain qui pourrait être tenté de remettre Milka sur le parquet. Et numéro 29, lituanien, qui avait fait un bon début de match. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il laisse les mêmes hommes sur le terrain. Il faut tout de suite réagir dans cette fin de premier quart pour Genève, rester au contact. Chaz Williams a remplacé Timberlake à la main. Avec contre Maza, la bonne défense de Maza. Il faut ressortir un peu plus vite vers Steve Louis 5 qui a toute la place nécessaire sur le côté à 3 points. Mais une nouvelle fois, c'est raté. Ça fait beaucoup, beaucoup trop de ratés. Regardez derrière, on va peut-être accorder le ballon si on estimait qu'il était en phase descendante, ce qui me semblait être le cas. Pas la première fois que la défense genevoise se fait prendre comme ça dans le dos. Il y a eu tout à l'heure Duba en marquant ce alley-oop et une nouvelle fois cette longue passe qui déstabilise toute l'arrière-garde. Ils ont vraiment su s'adapter à la défense genevoise au fil des rencontres, les Montezans. Et effectivement, le panier de Duba a été accordé tout à l'heure.
plus la faute, ça fait une action à 3 points pour le capitaine chablaisien. Les Chablaisiens qui sont déjà en train de s'envoler dans ce match. Kovac, on a doublé la défense sur lui. Ballard, Chaz Williams. 7 secondes encore et cette défense qui empêche vraiment Genève d'aller marquer. C'est fait maintenant avec Antonio Ballard qui stoppe enfin pour Genève l'hémorragie. Ils se sont bien partagés la balle, les Genevois, sur cette action-là. Mais vous avez vu, hein, comme ils ont eu besoin de plusieurs décalages pour enfin réussir à s'offrir un peu d'espace dans la peinture. Vraiment la défense de fer du BBC Montaigne. C'est la marque de fabrique de l'équipe cette saison, avec en saison régulière seulement 73 points encaissés en moyenne par rencontre. Duba. Giordanit à l'intérieur, ils sont trois face à lui, bien bloqué par Ballard. En deux temps, Heath récupère encore ce ballon. Ballard, on vous rappelle, le numéro 8 des Genevois, qui joue malgré des fractures au pied et à une main. La faute de Sinclair sur Gravet, qui s'est peut-être un peu laissé tomber. Paul Gravet, en tout cas. C'est faute de James Sinclair. Il n'y a peut-être pas faute, hein. Il s'en coupe un peu tout seul, on a l'impression, sur le pied gauche de James Sinclair. En tout cas, les arbitres ont quand même donné cette sanction. Paul Gravet donc sur la ligne, il avait fait 1 sur 2 tout à l'heure. Plutôt serein, Bafsevic, l'entraîneur valaisan, dans ce début de match. Gravet qui rate le premier. Et les sifflets quand même ici au pommier, les joueurs qui se font siffler dans leur propre salle. Les supporters valaisans qui ont fait le déplacement en masse et qui jouent évidemment à fond leur rôle de sixième homme. Il faut défendre maintenant pour Genève. Jordan Heath n'a pas pris le tir primé. Duba un peu dilettante dans cette passe. Est-ce qu'il va réussir à contrer Timberlake? Timberlake rate son layup et derrière, le bon tip-in, la bonne petite claquette, le dos en arrière d'Antonio Bala. Bob Ballard, en tout cas, il n'a pas l'air trop gêné. C'est vraiment lui qui a pris la décision de jouer. Les médecins lui avaient dit non, quand même pas le dernier match. Il a quand même décidé de tenir sa place aujourd'hui. Le staff des Lions de Genève a accepté sa décision. C'est un peu à ses risques et périls aujourd'hui à Antonio Ballard. Ils sont bien revenus quand même. Ils sont légèrement revenus dans cette fin de premier quart. Les hommes de Jean-Marc Jomain. Avec 7 points de retard, 2 secondes et 4 dixièmes encore à jouer. Il va falloir prendre un shoot. Très vite, c'est fait par Milka à 3 points et c'est raté, évidemment, par la marque de fabrique du pivot lituanien. Fin donc de ce premier quart, 18 pour les Lions de Genève, 25 pour le BBC Montaigne qui a 7 points d'avance, qui mène le bal, mais évidemment, rien n'est encore fait dans cette rencontre. Qu'il arrive, nous vous aidons rapidement et simplement. Pour l'instant, ce sont les supporters valaisans qui se sont déplacés en masse au premier, qui peuvent agiter leur drapeau. Taper sur leur tambour, leur équipe mène
de 7 points, 25-18. Après 10 minutes de jeu, les statistiques de ce premier quart, on vous parlait d'adresse. Eh bien, ça explique cet écart de 7 points, 64% de réussite pour les Valaisans au tir contre seulement 33% de réussite aux Lions de Genève dans leur propre salle. Il faut absolument rectifier le tir pour les Lions de Genève qui ont été exécrables longue distance. 0 sur 6 à 3 points alors que les Valaisans, eux, ont presque fait un sans faute. 3 sur 4, Ballard, Timberlake. Et les Lions doivent vraiment maintenant se régler au tir dans cette suite de rencontres. Allez, début du deuxième quart. Défendre aussi avec un peu plus d'attention. Sinclair qui fait tout seul le petit flotteur, le ballon flottant. Bien joué de la part de James Sinclair. C'est son premier panier aujourd'hui. Timberlake, Ballard. Regardez comme le terrain adverse est verrouillé à double tour. Et on ne trouve pas Nadjan à l'intérieur. Les secondes qui se sont écoulées. Et il n'y aura plus que 8 petites secondes dans cette possession pour les Lions de Genève, qui ont toutes les peines du monde. C'était exactement la même chose samedi lors de l'acte numéro 5 en Valais. Toutes les peines du monde à réussir à déstabiliser l'arrière-garde valaisanne. On s'en remet à des actions individuelles ratées de Mladjan. Sinclair, beaucoup d'intensité dans son jeu, dans ce début de rencontre. On aimerait aussi en voir un petit peu plus d'intensité dans le jeu des Genevois. Humphrey Timberlake, Mazak à la place à 3. Et Mazak qui rentre ce shoot, c'est incroyable. 4 sur 5, longue distance pour les Valaisans qui sont totalement dans cette partie. Et de l'autre côté, Kovac, on double chaque fois la défense sur lui. Mladjan qui prend le shoot ouvert et c'est une nouvelle fois raté. Festival de raté, on va donner ce panier-là à Antonio Ballard. 0 sur 7, longue distance pour l'instant pour les Lions, c'est la catastrophe. Alors que Monté en est à 4 sur 5. Incroyable. Sinclair, une nouvelle fois, le shoot primé qui ne rentre pas malgré le rebond de la planche. 10 points de retard pour les Lions, qui pour l'instant n'ont pas de musique, de mélodie dans leur jeu offensif, pas de liant. Mais ça, c'est bien joué de Timberlake avec derrière le gros tampon mis par Jordan East. Pas nécessaire là de la part de Jordan East. On va peut-être voir le ralenti. Est-ce qu'il n'a pas réussi à freiner après avoir sauté, à freiner sa réception? Timberlake qui termine son lay-up, main gauche, son tir en foulée. Ouais, il n'a pas l'air d'y mettre une grosse envie d'aller faire mal à Timberlake. C'est plutôt dans la suite là, de son élévation. Ils ont assez de blessés. Les Lions, on espère évidemment que pour Timberlake, ce n'est qu'un choc. Ça va très vite passer pour lui. C'est dur pour les Lions qui doivent courir comme ça derrière le score. Il y a eu 12 points de retard lors du premier quart. Maintenant, ils sont à moins 8. Ils doivent absolument réussir des stops défensifs. Mais face à cette équipe du BBC Monté qui a l'air tellement sereine, tellement sûre de ce qu'elle fait. Et quand elle joue comme ça en équipe, elle est quasiment irrésistible. Marwoto qui a fait son retour sur le parquet. Young face à Chad Williams. Avantage de taille pour Young. 9 secondes encore dans cette possession. Nadjan qui est venu défendre très haut sur lui. Il va prendre un shoot de très loin. Young s'est raté. Et le rebond pour Nadjan qui cette fois-ci est allé au contact. Et c'est juste, il y a faute. Il est hué par le public valaisan, mais il y a bien faute de Markel Humphrey, top scorer. C'est déjà sa troisième faute aujourd'hui. Il a laissé traîner la main droite sur le visage de Marco Mladjan. Mladjan, il s'était, on vous l'a dit, beaucoup embrouillé entre guillemets avec ses adversaires lors du dernier duel en Valais. Ça l'avait fait rater complètement sa performance. Mladjan, il avait inscrit que 7 points et capté que 3 rebonds indignes, bien sûr, de son statut. L'un des meilleurs joueurs suisses du championnat.
Kovac et Mladjan, pour l'instant, n'y sont pas. Ça explique aussi cet écart. Milka qui se démène dans la raquette face à Mazza qui défend bien. Encore un raté offensif de la part des jeunes voix. Young qui prend ce tir mi-distance raté. Mais regardez comme c'est dur au rebond pour les Genevois de régater contre cet homme. Jordan Heath et ses 2m08. Il y avait en plus Humphrey qui était là. Les deux vraiment qui ont dominé cette bataille du rebond contre Ballard. Commence à beaucoup vendanger les Lions, beaucoup rater. De la place, Mazza à longue distance. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. Au fil des minutes quand même, ils ne vont pas continuer comme ça. Plus de 75% de réussite à 3 points, les Montezans. Ça se montre à ça. Enfin, une bonne relation trouvée par les Lions avec cette bonne passe de Chaz Williams vers Mladjan et la finition parfaite. Les supporters genevois qui doivent aussi tenter de pousser leur équipe. Incroyable, Humphrey qui prend shoot en distance et qui va récupérer lui-même son propre rebond. Bon, derrière, il fait marcher, ça va retenir la possession à Genève. Mais ça, c'est pas possible en défense de la part des Lions. S'ils veulent vraiment contredire les Montezans, ils peuvent pas laisser Humphrey shooter derrière la ligne des 6m75 et ensuite aller chercher son propre rebond comme ça, sans aucune adversité. Et Jean-Marc Jomain, il aurait de quoi hausser le ton. Son équipe, quand même, peut grignoter son désavantage. Mladjan qui efface Humphrey, qui s'approche du cercle, mais qui rate le dernier geste. Et marché de Michael Marwoto, signalé par les arbitres, au grand désarroi du capitaine chablaisien Jonathan Duba. Est-ce que Marwoto a vraiment fait marcher? En tout cas, ça redonne une possession au Lyon qui doit vraiment en profiter. Montaigne ne marque plus depuis quelques secondes. Depuis quelques phases de jeu, il faut en profiter. Mais on se comprend mal entre Chaz Williams, Marco Mladjan et Antonio Ballard. Mladjan qui pensait peut-être que ce ballon était pour Ballard qui se serait déplacé derrière lui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas assez bon pour l'instant en attaque pour que Genève puisse revenir sur son adversaire. Marwoto. Jordanis, et ça, c'est évidemment cadeau et trop facile de laisser Is comme ça dans la raquette. Une nouvelle fois, 10 points d'avance pour le visiteur valaisan. Regardez, Marwoto et Is, deux hommes sur Kovac, ça offre de l'espace à Williams, mais Williams, lui, pour l'instant, il ne rentre aucun shoot dans ce match. Il faudrait peut-être prendre un temps mort de la part de l'entraîneur des Lions, Jean-Marc Jomain. On laisse une nouvelle fois Humphrey à 3. Heureusement pour Genève que ça ne rentre pas. Le rebond, encore une fois, Montezan. Alors que ce secteur du jeu, au tout début de match, il était dominé par les Lions. Maintenant, c'est Monté qui a repris l'ascendant. Et cette fois-ci, il y a un vrai marché doux de la part de Jordani. Regardez celle-là. Il a voulu donner à Marwoto, il a vu Kovac arriver, il a lâché le ballon, il l'a récupéré. Il a marché évidemment, on va redonner cette sphère orange aux Lions qui ont toujours la même mission. Trouver le cercle adverse. Kovac, on ne lui laisse que des miettes. Aujourd'hui, Mladjan de très loin. Mladjan encore raté. Et le bon rebond et le tir immédiat de Chad Timberlake. Avec 6 points, c'est pour l'instant le meilleur marqueur, Timberlake, avec Ballard pour son équipe. Duba Marwoto, Marwoto à 3, serré un peu par Kovac, mais Marwoto, lui aussi, s'en donne à cœur joie à longue distance. Quel festival de tirs primés dans cette première mi-temps de la part des hommes de Niksa Pavsevic. 5 shoots longue distance réussis, aucun pour les Lions de Genève. Et l'interception de Young qui passe le ballon derrière son dos. L'offrande à Humphrey. Bien gêné par Mladjan, pardon, qui a fait faute, estime le trio arbitral. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Ils sont clairement au-dessus de leur adversaire, les Valaisans.
Le temps mort. Enfin, est-on tenté de dire, demandé par le coach genevois Jean-Marc Jaume. Onze points de retard pour les Lions, qui ont quand même... Enfin non, ils n'ont pas vraiment amélioré leur pourcentage de réussite, toujours bloqué à 33 petits pourcents de réussite au tir, les Lions de Genève, contre 56 pour le BBC Montaigne. Quelle différence d'adresse alors qu'ils jouent quand même à l'extérieur. Jean-Marc Jaumin, malgré tout, garde pour l'instant son calme. Le problème pour Jean-Marc Jaumin, c'est qu'il est peut-être tenté de demander à son équipe d'arrêter de tirer à 3 points pour que, pour l'instant, c'est la cata. 0 tir réussi longue distance sur 10 tentatives. Catastrophique. Ah, il est peut-être tenté de leur dire de ne pas tirer à 3 points, mais en même temps, il n'arrive tellement pas à s'offrir des espaces dans la raquette adverse qu'une nouvelle fois, comme lors des deux derniers duels de cette série remportés par le BBC Montaigne, on sent cette équipe des Lions de Genève vraiment pour l'instant sans aucune solution en attaque. Humphrey pour l'instant avec 8 points, c'est le meilleur marqueur du match, avec son compatriote Brandon Young, numéro 22. Humphrey se rate, Madjan se bat bien au rebond. Vont-ils réussir enfin à trouver un peu de liant dans leur phase de jeu? Pour l'instant, il ne peut que porter le ballon, Chad Timberlake. Plus que 7 secondes dans cette possession, il a failli faire marcher en plus. Antonio Ballade, il va falloir prendre un shoot. 2 secondes encore, Madjan, il doit se retourner, le bras roulé. Tellement compliqué. Et Ballard qui s'arrache, quand on le voit s'arracher ainsi. On peut quand même un peu se questionner sur le terme de fracture utilisé par le staff genevois concernant sa blessure à la main gauche et à un pied. En tout cas, encore un raté offensif de la part des Lions. Alors que derrière, quand même, les réglages sont beaucoup mieux huilés. Sur une passe et un écran, on arrive chaque fois à offrir de l'espace à un tireur. Cette fois-ci, c'est raté. Et derrière, on n'a pas quand même foncé vers le côté adverse pour essayer de s'offrir une contre-attaque. Il y aurait pu y avoir moyen. Bonne combinaison entre Timberlake et Ballard. Ballard, heureusement qu'il est de retour. Il a déjà quand même inscrit 8 points sur les 28 de son équipe. Le shoot de très très loin de Brandon Young, un peu forcé, raté, logiquement raté. Et Gravet qui est allé cueillir ce rebond. C'est maintenant qu'il faut réagir pour les Lions de Genève. Pourquoi pas inscrire un partiel, téléphoner de la part de Kovac là. Et tout tranquillement, Humphrey pour la conclusion. Ça commence presque déjà en attaque, hein, la défense. On ne peut pas se permettre de perdre pareillement le ballon. Ils étaient sous le panier adverse, à quelques centimètres du cercle. Une mauvaise passe. Et 5 secondes plus tard, c'est un panier offert au BBC Montaigne. C'est nouveau temps mort demandé, pas par cet homme, hein, Nick Sabasevich, qui pour l'instant peut féliciter ses hommes, mais bien par Jean-Marc Jaumin. Ça fait quand même deux temps morts très rapprochés. Ça confirme que Genève est en terrible souffrance pour l'instant. Dans le body language aussi pour l'instant, avantage au BBC Montaigne sur le parquet qui a l'air quand même d'avoir un peu plus faim. Hein. Et ça, c'est décevant quand même pour Genève, dont on loue la qualité de se battre, de vouloir se rebattre, se jeter sur chaque ballon à chaque instant.
Pour l'instant, ils sont tellement dominés qu'on a presque l'impression que ça leur coupe leur velléité de dépenses énergétiques, d'agressivité sur le parquet. Ballard, le retour du Messi espéré pour les Lions de Genève. Pour l'instant, ça ne se traduit pas au tableau d'affichage. Le costaud Antonio Ballard, 29 ans, évidemment l'un des meilleurs joueurs du championnat, qui a quand même déjà marqué 8 points, c'est le meilleur marqueur de son équipe, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est vraiment aux autres Lions de se mettre à niveau, notamment Marco Mladjan. Gravé Ballard, Ballard contre Duba, il va essayer d'y aller en 1 contre 1 avec sa puissance. Très bien joué d'Antonio Ballard, 10 points. Ah, c'est grâce à lui que les Lions gardent légèrement la tête au-dessus de la ligne de flottaison de l'espace pour Humphrey, serré juste à temps pour Ballard. Eux aussi sont capables de perdre bêtement des ballons. Il y a eu un contact entre Duba et un adversaire. Moins 9 pour les Lions de Genève. Cette fois-ci, ils ont essayé d'aller très vite vers le cercle adverse, s'offrir un panier, la bonne claquette. Ça, c'est bien joué de Mladjan, qui a mis tout son cœur pour prendre ce rebond. Et derrière, Young fait n'importe quoi. Allez, maintenant, un contre pour Genève et pour vraiment revenir dans ce match. Ballard tout seul, Ballard raté. Oh, derrière Mladjan qui a voulu dunker au lieu de simplement pousser au fond du filet. La grosse faute de Paul Gravel. Regardez la faute gigantesque de Paul Gravet qui est venu renverser par derrière le capitaine du BBC Montaigne. Dommage pour les Lions de Genève d'avoir raté la possession précédente. Ils seraient revenus à 5 longueurs de leur adversaire. Vous voyez comme ça va vite. À la place peut-être d'assurer ce panier pour Mladjan, il a tenté de dunker. Ben, au lieu d'être à moins 5, ils sont toujours à moins 7, les Genevois. Et en plus, l'avantage pourrait encore se creuser puisque les Montaisans vont pouvoir se retrouver sur la ligne des lancers francs. Allez, on balaye, on discute un peu avec les arbitres. DG temps mort dans son deuxième carton, il reste 1 minute et 24 secondes. Et Duba, secoué tout à l'heure, se retrouve sur la ligne. Il avait été bien muselé pour l'instant dans ce deuxième quart, Duba, avec aucun point d'inscrit. 7 dans le premier quart et 2 sur 2 pour le capitaine. On se répète, hein. Mais tout à l'heure, si les Genevois avaient marqué, ils auraient dû vraiment marquer ce panier. Au lieu d'être à moins 5, retour à moins 9. Et les Genevois qui doivent continuer vraiment à ramer, à se battre. Il faut rester au contact, hein, aux alentours des 10 points, un peu moins. Pour s'offrir, pourquoi pas, une vraie chance de faire douter en seconde période les Montaisans. Paul Gravet, regardez, on se parle, on ne sait pas où se placer. Et derrière, le jeu de passe ne fonctionne pas entre Timberlake et Paul Gravet. On n'a pas posé de pick and roll, on n'a pas fait grand-chose finalement. Et on a surtout redonné le ballon à Montaigne. Brandon Young qui organisait cette offensive chablaisienne. Maruoto contre Gravet. Maruoto s'approche. Ce tir en reculant ne rentre pas. Et Kovacs, seulement un point pour lui. Il doit faire attention. Il avait Sinclair à ses trousses. Kovacs muselé, complètement muselé par la défense valaisanne. Kovacs, il a de la place. Mais c'est dur, hein, parce que c'est un tir qui est pris pas dans le rythme. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de jeu de passe avant. Donc c'est un tir pris en position statique. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur
de huiler son mouvement de tir ainsi, Kovacs le sait. Et tout le désarroi du numéro 14, du top scorer genevois, qui n'a inscrit qu'un tout petit point pour l'instant dans ce match. Monsieur Kliba, l'arbitre principal, en discussion avec Nick Savasevic. Deux secondes encore avant la pause, la mi-match. Et Montet pour l'instant est très bien parti dans la quête de son troisième titre de champion suisse. Yann Marotto, il a la place. Cette fois-ci, ce sont les Montezans qui peinent à trouver une bonne position de tir. Et derrière, est-ce qu'on va accorder le panier au BBC Montet ou est-ce que Sinclair a lâché cette balle après la sirène? Le tableau d'affichage est toujours de 41-32, donc le panier n'a pas été accordé. Et derrière, on se rate complètement une nouvelle fois. Gravel à la fin du deuxième quart. Très, très difficile pour le pauvre Paul Gravel. Et donc, à la mi-match, le BBC Montet est devant. Petit à petit, est en train de s'approcher du trophée. 41-32. 9 points d'avance, il en avait 7. Après le premier quart. Et ils sont un petit peu en manque de tout dans tous les secteurs, les Lions de Genève. On vous l'a dit à l'adresse, hein. Ça s'est quand même resserré dans ce deuxième quart, 16-14 pour le BBC Montet. Mais un peu en manque de tout, surtout en manque d'adresse. Les rebonds, c'est bien, hein. On ne peut pas dire qu'ils ne se battent pas dans la raquette puisqu'ils mènent ce secteur-là. 24 prises pour les Genevois, 21 pour les Valaisans. Par contre, ce 14 sur 41 au tir, c'est vraiment ça qui fait la misère des Lions de Genève, alors que le sanglier chablaisien, lui, a une grosse adresse aujourd'hui, 55% à 2 points et surtout 42% à 3 points avec un 5 sur 12. Allez, on fait une pause d'environ 15 minutes ici au pommier, puis on se retrouve tout à l'heure pour la seconde mi-temps de cet acte numéro 6. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement.
à la salle du Pommier au Grand Saconnet à Genève. Les Lions de Genève, pour l'instant, sont menés à la mi-match 41 à 32 par cette équipe du BBC Montais qui mène 3 à 2 dans la finale des playoffs et qui donc, pour l'instant, est très bien parti pour gagner ce match, s'adjuger la série 4-2 et soulever le trophée d'ici 20 minutes. Mais attention, 9 points de retard en basket, ce n'est rien du tout. Surtout quand il reste deux cartons. Par contre, on aimerait voir quand même pas mal de changements dans le jeu des Lions de Genève. Juste pour revenir une dernière fois sur les chiffres, on a un sentiment quand même que c'est dommage pour les Lions de Genève parce qu'ils ont gagné la bataille du rebond 24 à 21. Et je vous l'ai dit, l'histoire de cette série pour l'instant, dans chaque match, l'équipe qui a gagné la bataille du rebond a gagné la partie. Alors pour l'instant, c'est Genève qui gagne ce secteur-là. C'est Genève qui prend le mieux soin du ballon avec seulement 5 pertes de balles contre 9 au BBC Montais. Par contre, Genève se tire une, deux balles dans le pied tout seul avec une adresse catastrophique. 0 sur 11 à 3 points. Seulement 34% de réussite au tir contre 50% à Montais. C'est vraiment là que tout se fait la différence. 5 sur 12 longue distance pour les Valaisans. Et aussi un petit peu dans le coaching. Hein. On a vu pendant ces 20 premières minutes à quel point les hommes de Jean-Marc Jomain ici à l'écoute ont eu toutes les peines du monde à attaquer de manière collective la défense adverse. Alors on aimerait pourquoi pas avoir quelques coups de poker. Hein. Il ne reste peut-être pas encore que ça, mais bientôt plus que ça, Jean-Marc Jomain. Il y a par exemple Kozic, Juraj Kozic, qui n'a pas du tout joué dans cette première mi-temps. Alors qu'on a quand même le sentiment dans cette série qu'à chaque fois qu'il est rentré sur le parquet, il a amené quelque chose. Parfois quand même la manière de gérer Kozic est un peu surprenante de la part de Jean-Marc Jomain. Et aussi Brandon Grüniger, il a eu deux petites minutes dans la première mi-temps, pourquoi pas un peu plus, peut-être tenter des choses. Pour l'instant on voit que le top scorer Roberto Kovac est vraiment muselé à chaque fois, il y a deux zones sur lui, son numéro 14 avec cette couleur gris dans son dos, maillot distinctif de top scorer. Donc chaque fois il est muselé, il a marqué qu'un seul point. Bref, on aimerait peut-être voir plus de tentatives de coaching un peu spéciales de la part de Jean-Marc Jomain. Antonio Ballard, en tout cas le numéro 8, il tient son rang avec 10 points personnels et 7 rebonds déjà. C'est le meilleur homme des Lions de Genève sur le parquet, Ballard, qui va donc faire la remise en jeu. Est-ce que Genève va nous offrir un visage plus agressif, mieux organisé en attaque? C'est tout ce qu'on souhaite évidemment pour le suspense de cet acte numéro 6. Kovac qui trouve la Diane à l'intérieur, c'est bien joué. Ah, il a bien anticipé le coup du bas, très attentif. Pourtant, il avait sauté. Hein. Il était déjà prêt à contrer Mladjan. Mladjan allait tenir le ballon qui allait ouvrir le panier, mais Duba très bien, très bon réflexe, très bien réagi en captant cette balle. De l'autre côté, il y a de la place pour Maroto grâce aux écrans posés par ses coéquipiers, mais Maroto se rate une fois n'est pas coutume. Longue distance à Timberlake maintenant d'aller chercher le cercle. Mladjan qui trouve Ballard, et pour une fois que Kovac avait de la place derrière la ligne, on lui donne le ballon dans les chaussettes. Que c'est dommage pour les Lions de Genève. Plus que 6 secondes dans cette possession, c'est Ballard qui prend le tir, un peu forcé et donc raté. Young face à Timberlake, Maroto Kovac le duel. Maroto s'approche, ressort vers du bas. Un peu statique cette offensive montésane. Young trouve I sur le côté, gêné, bien gêné par Mladjan au dernier moment. Par contre, il gagne à notre sens un peu trop facilement ce rebond du bas face à Paul Gravel, qui n'a pas assez rudoyé son adversaire. Il faut en faire un peu plus dans tous les secteurs. Les box-outs pour Genève, mieux bloquer les adversaires au moment d'un tir pour se mettre dans de meilleures dispositions au rebond. Du bas, Brandon Young. Young le shoot à 3 qui ne rentre pas. Après un temps, dans ce début de deuxième mi-temps, ils n'ont pas la même adresse, les Valaisans, qu'au début de la partie. Timberlake, tout tranquillement, dans la raquette, et qui ne trouve pas là. Ça, c'est la meilleure liaison pour l'instant, c'est le meilleur schéma, entre guillemets, qu'ils nous proposent depuis le début de la partie, cette relation. Timberlake à la passe, Ballard à la conclusion. Montec qui doit scorer, s'il veut garder son avance. Les Genevois qui se sont bien jetés, Maroto circulé pour prendre ce tir primé raté. Et ce ballon qui échappe à Kovac sur le rebond, festival là, de tirs loupés. Et Genève, voilà un temps
Un moment important de cette partie. Genève qui a une vraie chance de recoller au tableau d'affichage. Kovac, Timberlake, le shoot à 3 qui rentre. Chad Timberlake, son premier tir primé. Et les Lions ne sont plus qu'à 4 points du BBC Montaigne. Quand on vous disait que tout pouvait aller très très vite. Maroto Duba bien gêné par Mladjan. Est-ce que les arbitres ont sifflé le premier contact avec Mladjan ou le deuxième? Apparemment, on n'a pas sifflé ça, on a sifflé derrière Kovac, qui était derrière Jordan Heath. Contact illicite de la part de Kovac, qui essuie le parquet, qui travaille beaucoup en défense, puisque malheureusement pour lui en attaque, pour l'instant, il est bloqué à un tout petit point. On ne lui offre, la défense montézane ne lui offre absolument aucun espace. Jordan Heath qui rate son premier lancer franc. Ah, évidemment pour le scénario de cet acte numéro 6. Cet écart qui a très vite fondu dans ce début de seconde période n'est pas pour nous déplaire. 1 sur 2 pour Jordan Heath. Il n'a pas encore donné sa pleine mesure. Pour l'instant, seulement 5 points pour le big man, le grand pivot valaisan. Et les spectateurs genevois qui se réveillent enfin pour tenter de répondre aux encouragements valaisans. Ballard, il a failli perdre le contrôle de ce ballon. Ballard, il a fait mine de shooter. Maroto ne s'est pas fait abuser. Il a pu couper la ligne de passe avant la réception de Mladjan. Plus que 3 secondes dans cette possession, il va falloir prendre un shoot très vite. Kovac qui a enfin de l'espace, longue distance et qui se rate. Kovac, c'est incroyable. Les Lions ont vraiment besoin de leur top scorer qui rate tout ce qu'il entreprend. Seulement un lancer franc réussi pour Roberto Kovac. Et donc tous ses tirs ratés. Burley qui tire longue distance à 2 points. C'est dommage quand même de ne pas essayer autre chose. Alors évidemment, on l'a dit, on se répète. Le camp adverse est très bien verrouillé par la défense valaisanne, mais quand même, il y a certainement d'autres choses à tenter pour faire mal aux hommes de Niksa Bacevic. C'était Gravé, gros combat, Gravé qui s'était bien battu. On siffle faute, est-ce qu'il y a vraiment eu contact illicite? En tout cas, il n'avait offert aucun centimètre de libre au capitaine adverse. Gravé, c'est sa 4e faute et ça, c'est la mauvaise affaire pour lui. Il touche peut-être la main droite de Duba au moment où Duba lâche le ballon. Mais déjà 4 fautes pour Paul Gravé, regardez sa colère. Encore une sanction, il sera expulsé du parquet. Obligé de sortir Jean-Marc Jomin pour ne pas risquer l'expulsion. Et donc, pour la majeure partie de cette deuxième mi-temps et fin de match, les Lions de Genève, presque privés d'une rotation là de Paul Gravel, qui aura très peu de liberté en tout cas lorsqu'il devra défendre un contre un, il n'aura pas le droit de faire la faute. Le public genevois du pommier qui essaie de faire un peu de bruit pour déstabiliser Duba. Duba 1 sur 2, c'est son rythme aujourd'hui sur la ligne. Mladjan pour Kovac. Kovac, Mladjan, toujours pas d'espace pour tirer longue distance. C'est pris de manière compliquée. Bon, faut aussi admettre qu'il n'a pas beaucoup de chance. Il n'a pas beaucoup de chance avec ce ballon qui flirte avec l'anneau. Il y a eu faute sur Ballard. Et le panier ne devrait pas être accordé à mon sens. Il a quand même pris le tir bien après le coup de sifflet. Effectivement, ce n'est pas le cas. Panier pas accordé. Et Mladjan qui se retrouve avec le ballon dans les mains. Timberlake. Retour à Mladjan. Il y a de la place pour Ballard, mais Ballard décide aussi de driver, c'était pas la bonne option. Et là aussi, le bras roulé de Mladjan, pas forcément le meilleur choix.
Regardez comme elles font mal, ce genre de raté offensif avec derrière le panier facile pour Montaigne. Bon, Brandon Young qui grimpe à 10 points. Comme Duba et Humphrey. Duba, on le retrouve en défense sur Ballard. Regardez Ballard. Alors évidemment, quand on le voit évoluer pareillement, 14 points. Pour l'instant, c'est le meilleur marqueur de cette rencontre. Il est évident que malgré ses pépins physiques, Ballard fait le plus grand bien aux Genevois qui ont toujours, malgré tout, 6 points de retard. Marwoto, bien serré par Kovac. Et pas de faute de la part des Genevois. Milka récupère. Ballard en 1 contre 1 contre Humphrey. Regardez comme la porte s'est refermée avec le retour de Jordan Heath qui fait quand même faute. Et Ballard va pouvoir continuer à engranger les points. Attention, danger quand même pour Montaigne qui voit Genève s'approcher de plus en plus. Jordan Heath qui souffre plus évidemment sur le parquet dans la raquette quand il a face à lui Antonio Ballard. Ballard, c'était vraiment le meilleur marqueur des Genevois en play-off, 16 points, le meilleur rebondeur, 11 prises de moyenne par match. Alors évidemment, quand il s'est blessé lors de l'acte 4 et qu'il n'a pas pu jouer l'acte 5, tout s'est écroulé pour Genève qui a capté 20 rebonds de moins lors du dernier duel que le BBC montait. Et ces 20 rebonds, en fait, on peut expliquer que c'est le facteur Ballard. Ballard, il prenait en moyenne 10 rebonds. Donc, comme il n'a pas joué le dernier duel, ça fait 10 rebonds de moins pour Genève et donc 10 rebonds de plus pour le BBC Montaigne. Cet écart de 20 prises. Aujourd'hui, il est là, il fait du bien à son équipe, même si malheureusement pour lui et pour Genève, 0 sur 2 au lancer franc. Alors, on donne un peu de repos à Antonio Ballard. Le score, toujours 6 points d'avance pour le BBC Montaigne. Et la défense de zone 2-3 proposée par Genève qui va offrir de l'espace au shoot certainement valaisan du Basserat. C'est pas la meilleure zone pour prendre un tir. Derrière, il fera deux lancers francs puisqu'il rate de peu. Troisième faute de Marco Mladjan, attention aussi à lui, à ne pas être victime trop vite dans les prochaines minutes d'une quatrième sanction. Avec la planche, le premier lancer rentre pour Jordan Heath. Le baromètre, c'est les rebonds, puis c'est aussi un peu Jordan Heath dans cette série finale, il faut bien l'admettre. Lorsque le numéro 11, Montaigne, est en pleine possession de ses moyens, difficile de le contrer. Il y a eu faute genevoise ensuite dans la bataille du rebond. Ou plutôt un Genevois qui s'était déplacé trop vite. Ou même avec un adversaire dans la peinture. On redonne ce lancer franc à Jordan Heath. Qui ne rate pas l'aubaine. Et une faute technique. Apparemment, faite de la part de l'arbitre principal envers le coach des Lions de Genève, Jean-Marc Jomain. Allez, les Lions de Genève qui doivent se concentrer sur le jeu. Mené de 8 longueurs, Kovac trouve Milka. Ouais, Milka, le bras roulé. Dommage pour Genève que ça ne rentre pas. À l'autre sens, il aurait peut-être pu tenter d'attaquer plus directement le panier, finir main gauche. C'est pas l'option qui a été choisie par le pivot lituanien qui répète ses gammes. Milka sur la ligne, on sait que les grands n'apprécient pas forcément l'exercice du lancer franc. Il est bon Milka pour l'instant dans cette rencontre, déjà 7 points pour lui. Lors du dernier duel, il en avait inscrit 11. Ça fait 7. Et donc 8 points maintenant pour Milka qui s'approche de son record personnel avec les Lions. Pour rappel qu'il n'a joué que 3 rencontres. Il a débarqué lors de l'acte numéro 3, Dominikis Milka.
après la blessure du pivot américain Brandon Garrett. Les Genevois vont tenter maintenant de réussir un stop défensif. Nadjan au contact face à Humphrey. Young qui essaye de faire tourner en bourrique Timberlake. Plus que 5 secondes dans cette possession. La passe trop haute de Dubas vers Sinclair. Et la récupération pour les Lions. Peut-être un contre Ballard. Et la faute plutôt intelligente de Marwoto, on va dire ça comme ça, qui empêche Genève de s'offrir une contre-attaque. Contact léger avec Antonio Ballard. C'est la troisième faute de Michael Marwoto. Immédiatement remplacé par Nick Savasevic qui envoie sur le parquet Rodrigue Maza. Chad Timberlake peut en faire un peu plus, il en est pour l'instant à 9 points. Fait aussi chaud hein, comme sa petite dernière valet, on le voit sur la chemise de Nick Savasevic. Genève a une chance de continuer à réduire l'écart. Va-t-il la saisir? Regardez comme les 4 coéquipiers de Nadjan, porteur du ballon, étaient vraiment muselés dans le camp adverse. Du coup, Timberlake fait tout seul. Quelle grosse défense chablaisienne. Young, Nadjan, Mazza. Retour à Young. Trouve très bien du bas dedans. Belle finition main gauche du capitaine Montezan. La passe dans le bon rythme, la conclusion à Genève de réagir immédiatement. Milka Nadjan, mais quelle bataille dans la raquette. Si vous détournez très légèrement votre attention du porteur du ballon, quand Genève a une possession offensive, vous allez très bien voir comme ça bataille à l'intérieur. C'est tellement dur pour les Genevois de se libérer du marquage adverse. Mais il y a eu faute, Montezan. Et donc Kovac qui peut enfin un peu scorer dans cette rencontre. S'il fait 2 sur 2, ça fera 3 points pour lui. Terriblement difficile aujourd'hui pour l'instant pour Roberto Kovac. 1 sur 2 seulement, le bon rebond de Milka. Qui n'a pas réussi derrière à immédiatement prendre une deuxième chance. Kovac se faufile. Les arbitres estiment qu'il y a faute. Deuxième faute de Rodrigue Maza. Difficile de se faire une idée sur ce plan-là. La limite des 5 fautes d'équipe est déjà atteinte dans ce troisième quart de la part du BBC Monterrey, alors qu'il reste encore 3 minutes 30 quand même à jouer. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura faute valaisanne, il y aura lancé franc pour les Lions de Genève. Mais évidemment, s'ils n'en profitent pas, les Lions, ça va être difficile de revenir. Mais ça peut être une stratégie offensive dans ces dernières minutes du troisième quart. Aller provoquer les fautes adverses. 0 sur 2, Kovac qui est vraiment pas en attaque. Et Genève sans un Kovac bon. On se répète, ça va être très compliqué. Allez, Kovac. Là, il y a un avantage numérique et Kovac qui met le ballon dans les pieds de son coéquipier. C'est presque une faute professionnelle là de Roberto Kovac. Est-ce que c'est un manque de concentration, d'application? Il est en train de passer complètement à côté de cet acte décisif pour les Lions de Genève. Je vous rappelle que si Genève perd, la saison est terminée. Et c'est Montet qui est sacré champion suisse. Humphrey a fait marcher sous la pression de Marco Mladjan. Kovac a été remplacé. Jomain, il est un peu obligé de faire ça, hein, puisqu'on a eu la confirmation que Kovac n'y était pas vraiment avec ses ratés successifs. Et notamment cette passe très facile. Le tir longue distance à 2 de Chaz Williams. Premier panier de la soirée pour le petit meneur américain. Laissé libre de tout marquage. Il rentre parfaitement ce tir. Genève revient à 5 longueurs.
Guillaume face à Louis Saint. C'est dur évidemment pour Steve Louis Saint de contrôler un homme pareil. Et c'est le petit lutin, Charles Williams, qui allait chercher ce rebond. Allez, il faut peut-être essayer d'enflammer un peu cette partie, ce troisième quart. Et apparemment, on donne une faute technique à l'entraîneur du BBC Montenegro, Savasevic. Alors, je vous l'ai dit, regardez, c'est même Markel Fred, top scorer, qui dit à son coach d'aller s'asseoir. Il a quand même une fâcheuse manie, Nick Savasevic, de ne cesser quasiment d'entrer sur le parquet après chaque décision d'aller glisser un mot derrière l'oreille des arbitres. Savasevic devrait gentiment faire un pas de retrait et aller se calmer sur son banc. Cette faute technique, évidemment, ça offre lancer franc et ensuite la possession au BBC Montaigne. Chaz Williams n'a pas montré ce lancer. Il faut que Genève vraiment profite de ces moments de flottement du BBC Montaigne pour revenir concrètement au score. Louis Saint-Ballard, la défense très haute, démontez-en. Avec Duba qui est chargé de coller au basque de Ballard. Ballard qui se crée un petit peu d'espace, mais pas assez. Il est gardé de manière parfaite par Jonathan Duba. Et encore une occasion un peu galvaudée par les Lions de refaire leur retard. Steve Louis Saint, le sourire. Et Steve Louis Saint qui doit défendre très fort sur Brandon York. L'écran de Mazza, retour à Brandon Young, tire en tête de raquette. C'est parfait de l'Américain qui grimpe à 12 points personnels. Charles Williams, Brandon Young et Louis Saint vers Milka. Milka Mazza, est-ce que Milka va essayer de gagner un peu de terrain avec son poids, 613 kg. C'est raté en deux temps, en trois temps par les Lions de Genève. Ballon touché en dernier par un Montezan. Et il se retient de dire quelque chose, bien entendu pas. Mais il le glisse quand même un mot à Sébastien Kliba. Pas d'accord apparemment, Jonathan Duba, avec la décision arbitrale. Tout comme Nick Savasevic. Charles Williams, que c'est dur de trouver un coéquipier sur cette remise en jeu. Ils sont tellement bousculés, tellement bien marqués en défense, les Genevois. Nouvelle décision de Monsieur Kliba avec une faute de Brandon Young. C'est la première faute du meneur américain dans cette rencontre. Charles Williams maintenant doit absolument marquer ses lancers francs pour que Genève se donne une vraie chance d'y croire dans ce match. Le public Montezan n'hésite pas à huer l'adversaire pour tenter de le déstabiliser. On a presque l'impression parfois de jouer en Valais, mais non, vous ne rêvez pas, on est bien au Grand Saconnet. Et Charles Williams fait 2 sur 2 sur la ligne. Une minute encore à jouer, 5 points de retard pour les Lions qui doivent vraiment se prendre possession par possession. On laisse Mazza à 3 points. Et Mazza, qu'est-ce qu'il est bon dans cette série finale, Rodrigue Mazza, qui ne fait pas partie du 5 de base Montezan, mais qui est une rotation superbe pour Nick Savasevic. Habile à 3 points, grand, 2m08 également. Regardez ça, c'est lui qui gagne ce rebond. Bah, Mazza, c'est le genre de joueur tellement utile dans une équipe, il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui avec tout à l'heure ce deuxième tir privé. Il y a eu faute genevoise et comme la limite des 5 fautes d'équipe a aussi été atteinte dans cette troisième période, ça envoie Mazza sur la ligne. Chaz Williams qui sort pour Genève, retour sur le parquet de Chad Timberlake, sorti également de Steve Louis Saint.
35 secondes. Les Genevois qui vont essayer de poser un système. Timberlake. Qui doit d'abord se défaire du marquage de Young. Timberlake va peut-être décider de laisser tourner le chrono et de se la jouer tout seul. Faille perdre le ballon. Ballard, le shoot en se reculant, c'est difficile. Le rebond pour Nadjad. Le panier plus la faute. Est-ce qu'on va accorder le panier? À mon sens, il le faudrait. Panier accordé pour Nadjad qui a l'opportunité de s'offrir une action à 3 points. Troisième faute de Rodrigue Maza. Et la bronca évidemment des nombreux Valaisans qui se sont déplacés au pommier pour huer Nadjad. Ancien joueur, je le rappelle, du BBC Montaigne. Ça rentre pour Nadjad. 10 points pour lui. Il y a quand même Nadjad, 10 points, Ballard 14, Milka 8, Timberlake 9. Plusieurs joueurs proches des 10, au-dessus des 10. Il y a quand même, on a le sentiment à quoi jouer pour Genève. Mais la sérénité, elle est toujours chez les Montaisans qui gèrent plutôt bien leur possession. Brandon Young, 4 secondes encore. Il va faire tout seul, on le connaît. Maintenant, il décide de donner à Duba le dribble de trop de la part de Duba. Fin de ce troisième quart, 49 pour l'Union de Genève, 55 pour le BBC Montaigne. Les hommes de Jean-Marc Chaumin ont très légèrement réduit l'écart. Ils étaient menés de 9 points à la mi-match. Ils sont désormais menés de 6 longueurs. 10 minutes. 10 minutes pour tenter d'inverser la tendance. Ils ont même gagné ce troisième quart. Hein. Ils ont mieux réagi, l'Union de Genève. 10 minutes donc pour continuer sur ce chemin pour Genève et 10 minutes à Montaigne pour tenter d'aller chercher le troisième titre de champion suisse de l'histoire du club. Quoi qu'il arrive, nous vous aidons rapidement et simplement. Encore à jouer, peut-être plus, évidemment, si l'Union de Genève arrive à revenir à hauteur du BBC Montaigne. Le club valaisan n'est plus qu'à 10 minutes peut-être, donc du sacre. Lui qui mène 3-2, cette finale des play-offs qui se joue au meilleur des 7. La première équipe qui gagne 4 rencontres est sacrée. Premier ballon de match donc aujourd'hui pour les Montaisans qui sont en train de perdre la bataille du rebond. 35 prises pour Genève, 32 pour Montaigne. Qui prennent moins bien soin, on vous l'a dit, du ballon. 12 turnovers pour Montaigne, seulement 8 paires de balles pour Genève. Mais malgré tout, Genève est derrière car il n'est pas assez adroit aujourd'hui. 34% de réussite chez les Genevois, 44% chez les Valaisans. Et surtout, c'est derrière la ligne des 6m75, les tirs à 3 points où Genève se rate avec seulement un tir réussi sur 15 tentatives. Mais l'espoir est encore là et c'est déjà pas mal quand même pour Genève, qui a 6 points à combler pour barrer la route de Montaigne. Le shoot à 3 de Giordani sur le côté, qui ne rentre pas. Le rebond gagné par Duba qui marque ce panier. Si je vous parle du rebond, c'est parce que depuis le début de la série, c'est vraiment le baromètre, je vous l'ai dit. L'équipe qui domine ce secteur gagne le match. Bien, pour l'instant, c'est l'exception qui confirme la règle dans ce sixième acte, où les Genevois sont plus prolifiques au rebond, mais pour l'instant derrière le tableau d'affichage. Kovac qui rate encore. Quelle soirée catastrophique pour Roberto Kovac. Et derrière, Markel Humphrey, le top scorer. Attention, il commence en encaissant un partiel de 4-0 là. Les Lions de Genève
pour se retrouver tout de suite à 10 longueurs de leur adversaire. Ballard, on essaie vraiment chaque fois de se montrer agressif vers le cercle. Plus que 5 secondes dans cette possession. Charles Williams, pas de faute. Il y a la place pour Milka, mais c'est lui qui se retrouve derrière la ligne. C'est le pivot lituanien. Alors, ils avaient encaissé un partiel de 11-0, les Genevois, au début du quatrième quart. Samedi en Valais, ça les avait tués. Est-ce qu'on va revivre pareil scénario? Le shoot à 3 de Rodrik Mazza sur le côté qui rentre. Incroyable! Ce Rodrik Mazza tellement adroit. Partiel de 7-0. 7-0 pour le BBC Montaigne à l'entame de cette ultime période. Catastrophique pour Genève donc. Qui peut être en l'espace de seulement 1 minute et 47 secondes dans ce dernier quart. A peut-être vu ses derniers espoirs s'envoler. Temps mort évidemment demandé par l'entraîneur des Lions Jean-Marc Jaumin et les fans valaisans qui commencent déjà à fêter. Il reste étonnamment, on est tenté de dire, un calme, les Lions de Genève qui ne cèdent pas à la panique malgré les 12 points de retard maintenant. 12 points de retard, 8 minutes 13 à jouer. Mladjan qui peut prendre feu à tout moment évidemment, 10 points pour l'instant pour lui dans cette partie. Roberto Kovács qui est sur le parquet, le top scorer, mais qui pour l'instant n'y est pas, on vous l'a dit, seulement 2 petits points. De lancer franc, aucun tir réussi, c'est la catastrophe. Alors il y a un peu de choses, lui évidemment qui passe à côté. Regardez, Dubas plus agressif que Ballard pour cueillir ce ballon en même temps un peu trop mou de la part de Mladjan. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et Kovács, donc je vous le disais, il y a un peu de choses. Lui évidemment qui n'est pas dans un peut-être niveau de concentration parfait, niveau de performance. Le tir forcé raté de Timberlake. Et en même temps, Kovács, depuis 2-3 matchs, on a le sentiment qu'il peine à trouver sa place dans les systèmes de Jean-Marc Jaumin. Alors, il y a aussi peut-être une relation, des consignes, une compréhension qui ne passe pas forcément dans les systèmes de jeu que souhaite mettre sur pied Jean-Marc Jaumin et qui ne sont pas vraiment appliqués par ses joueurs. Qui propose une défense de zone 2-3 là pour tenter d'empêcher Montaigne d'aller marquer un panier. Brandon Young le tire en tête de raquette, ça se transforme en passe pour Dubas à l'intérieur. Brandon Young récupère et ils sont plus agressifs quand même. Ils paraissent plus agressifs sur le parquet. Genève gagne quand même le droit de s'offrir une position. Que c'est dur, tout est dur, tout est tellement dur pour Genève. Regardez, même la passe interceptée par Young. Il y en a beaucoup plus de l'autre côté, plus d'intensité, plus d'envie. Et le rebond Milka mangé trop facilement par Mazza et Dubas. Non, toujours pas marqué le moindre point, les Lions de Genève, après 3 minutes dans ce dernier quart. Le focus, le momentum, il est pour le BBC Montaigne. La détermination pour les Valaisans d'aller gagner un deuxième trophée après la Coupe de la Ligue cette saison et surtout d'effacer leur terrible aventure en Coupe de Suisse. Ils avaient 15 points d'avance à l'Arena de Genève devant 5000 spectateurs face au Lyon de Genève. Et ils avaient réussi avec 15 points d'avance, malgré 15 points d'avance, à perdre cette finale dans les derniers instants derrière. Deux joueurs, Young et Humphrey, avaient pété les plombs, forçant le vestiaire de l'arbitre, envoyant leurs médailles sur les arbitres, les insultant. Les entraîneurs du BBC Montaigne à Tanzana, ici à l'image, et Nick Sabasevich, avaient aussi eu un comportement agressif envers les arbitres, puis de suspension, plusieurs matchs pour les joueurs, pour les entraîneurs, même pour les dirigeants du club. Il y a notamment la fédération qui a fait recours suite aux suspensions données
aux membres du club. Le club à faire court, le BBC Manta, estimant que les punitions étaient trop sévères. La fédération à faire court estimant que ce n'était pas assez sévère. Du coup, pour l'instant, il y a encore quand même les dirigeants, notamment le président du BBC Manta, Christophe Gros, qui risque 2 ans de suspension. La commission de recours de Swiss Basketball devrait donner son verdict le 19 ou le 20 juin. Et Kovac trouve enfin le chemin du panier après presque 34 minutes de jeu. Premier panier réussi par Roberto Kovac. Mladjan, peut-être pour marquer maintenant pour Genève. Kovac à 3. Sauvage qui se rate. Bah, l'artificier des Lions, sans réussite aujourd'hui, est tellement rapide dans ses lay-up avec la main gauche prend Dagnon, malgré la présence d'un adversaire quasiment sur son visage. Regardez ça. Et le cri de rage d'Humphrey qui sait bien que son équipe est en train de foncer vers le titre. Demandé par l'entraîneur de Marco Mladjan. C'est la dernière qui sonne pour Genève, mais quand même 14 points de retard, 5 minutes 20 à jouer. On vous l'a dit, il y en avait 15. Il avait réussi à renverser la vapeur, mais il restait quand même 10 minutes à jouer en finale de la Coupe de Suisse. Là, ça paraît quand même quasiment mort pour le Lyon. Run the motion again! I want the ball inside! Slip the ski! Vous avez peut-être entendu Steve Wilson régulièrement dire « allez Kovac, essayez de mettre en confiance son top scorer ». Depuis qu'il a enfin trouvé le chemin du panier tout à l'heure avec ce tir primé. Il veut le ballon à l'intérieur, il l'a dit Jean-Marc Jomin, l'entraîneur des Genevois. Pourquoi pas peut-être sortir derrière longue distance vers Kovac. C'est clair que si Kovac n'a pas d'adresse, ça va être impossible pour Genève. Quand même une grande sérénité qui se dégage chez ce BBC Mantais qui n'a pas tremblé lorsque les Genevois sont revenus à 5, 4 points tout à l'heure. À l'image de leur top scorer, Markel Humphrey, qui est vraiment brillant pour l'instant aujourd'hui. Points pour le top scorer des Valaisans, plus 5 rebonds, c'est excellent. Il y a aussi Jonathan Dubas qui pour l'instant on est à 14 points et 11 rebonds, nouveau double-double pour le capitaine chablaisien, exemplaire une nouvelle fois. Williams, il faut marquer évidemment et beaucoup pour les Lions de Genève. Mladjan à 3 points, encore un raté. C'est terrible, longue distance aujourd'hui ce qui se passe pour les Lions. La statistique est affreuse, elle pique presque les yeux là pour le pauvre Jean-Marc Jomin. S'il avait le chiffre sous les yeux, 2 sur 20 longue distance pour l'instant pour les Lions. Kovac face à Marwoto, Paul Gravert, le ballon est à l'intérieur. Gravert, regardez comme c'est dur, il n'y a pas vraiment de conviction, il n'y a pas vraiment de schéma. On galère complètement en attaque pour les Lions et c'est Ballard, c'est bien Ballard qui touche en dernier ce ballon.
Babalard, il aura quand même tenté de porter les siens. 14 points pour lui. Malgré, on vous l'a dit, sa blessure à la main et à un pied. 14 points et 9 rebonds pour Ballard, lui aussi tout proche du double-double. Et bien malgré la présence de Ballard, dont on pensait que ça pouvait tout changer, et bien non, Montet et Humphrey, nouveau shoot primé pour le top scorer. Et trop fort pour le BBC Montet. 17 unités pour marquer Humphrey, meilleur marqueur de cette rencontre. La claquette de Madian de l'autre côté. Est-ce qu'ils y croient encore, les jeunes voix? C'est la grande question. 16 points de retard, le gouffre est gigantesque. Et la bonne passe à l'intérieur d'Humphrey vers Dubin. C'est un festival proposé en ce moment par le BBC Montet, qui aura donc fait la différence dans cette rencontre, dans le premier quart, remporté 25 à 18. Et pour l'instant également, dans ce dernier carton, il n'y avait que 6 longueurs de retard pour Genève à l'entame, de ce dernier quart. Bah, il y a désormais presque 20 points de retard pour Jean-Marc Chauvin et les siens. Je crois que cette scène dit tout, hein. De regard dans le vide, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus rien en face de lui, Jean-Marc Chauvin, son discours ne passe pas. Il répète les mêmes consignes. Mais on ne va pas arrêter de se battre. Les mots de Jean-Marc Chauvin, mais peut-être que le regard du coach en dit plus que ses paroles. On a presque détecté de la tristesse dans les yeux de Jean-Marc Chauvin, qui doit bien sentir que son coaching aujourd'hui ne passe pas, surtout que son équipe est quand même moins agressive, a moins d'impact physique, a moins les crocs, l'Union, aujourd'hui, que le sang qui échappe les siens. Ballard, c'est peut-être le panier de la révolution, allez savoir. 16 points quand même pour Ballard, qui a sorti une nouvelle fois un très gros match. Et il faut marquer, mais en même temps, il faut réussir des stops défensifs. C'est peut-être ça le plus dur pour Genève, face à cette armada chablaisienne. L'écran de Markel Humphrey qui ne lui offre pas une possibilité de recevoir le ballon. Du coup, Yang a tiré longue distance et c'est raté, la faute de Duba. C'est dommage, pour une fois qu'ils étaient en supériorité numérique dans le camp adverse, les jeunes voix. Les deux équipes qui retournent très vite sur leur banc, puisque cette fois c'est l'entraîneur Nick Savasevic, l'entraîneur des Valaisans, qui a demandé son temps mort. Très calme et très serein pour l'instant. L'équipe chablaisienne, très sereine. Il faut dire qu'elle est aussi avertie deux fois cette saison. Elle a été remontée de manière presque improbable par ces Lions de Genève. On vous l'a dit en finale de la Coupe de Suisse, mais aussi lors de la course numéro 2 de cette finale des play-offs. Les Montezans, qui avaient environ 10 points d'avance avant le dernier quart à domicile et qui avaient réussi à perdre d'un point, 83-82. Ça avait été un superbe combat. Mais là, Tuba et les siens me paraissent trop bien lancés vraiment sur le parquet des Lions pour aller chercher ce trophée qu'ils attendent depuis 12 ans.
Jonathan Dubá dans cette rencontre, encore une et il sera expulsé, mais à 2 minutes 55 de la fin, ça ne devrait pas porter à conséquence. Charles Williams, l'écran de Nadjad, mais une nouvelle fois, un écran qui n'est pas exploité, qui n'offre pas d'espace au porteur du ballon. Bref, une nouvelle possession un peu ratée, il y a quand même une nouvelle chance de repartir à l'assaut du cercle. Il fallait peut-être donner tout de suite à Kovac, c'est fait en deux temps, personne ne veut prendre le tir, finalement c'est Nadjad, mais de trop loin. Kovac, il avait une meilleure position de tir, il ne le prend pas. C'est quand même surprenant. Et c'est à l'image de son match. Humphrey Ballard, Humphrey, regardez ça. C'est quand même raté. Récupération Young qui va aller derrière provoquer la faute Valézard. Et les rebonds. Faute de Mladjan et c'était sa cinquième. Il est donc expulsé, Marco Mladjan. Qui ne termine pas la rencontre. Mladjan, 12 points aujourd'hui pour lui. Plusieurs rebonds aussi évidemment. 10, un double double pour Mladjan qui a quand même relevé la tête après le match difficile en Valais samedi dernier, mais pas assez pour aider son équipe. Et il y a un chiffre qui a basculé là depuis que Monté a fait la différence dans ce quatrième et dernier carton, c'est les rebonds. Pour la première fois, les Chablaisiens sont devant dans ce secteur du jeu. Humphreys rate, rebond pour Genève, mais les rebonds maintenant, c'est 44 prises pour les Valaisans et 39 pour les Genevois. Grave, il est tout seul à 3 points et il le met. Voilà quand même le genre de mouvement qu'on aurait voulu voir plus souvent chez les joueurs genevois qui n'ont pas la possibilité de rester sur ce bon rythme puisqu'immédiatement Niksa Vasevic coupe ce rythme en demandant un temps mort. Car ici on est bien à Genève où France ça connaît. Et voilà, c'est dans l'antre des Lions que le BBC Montais est en train de foncer vers le titre de champion suisse. Alors plusieurs personnes se demandaient après la victoire samedi en Valais qui a permis au club de mener 3-2 dans la série et de s'offrir une balle de match. Il y a eu tellement de monde samedi au Reposieux, tellement de monde qui est resté après le match pour profiter des festivités, que beaucoup de gens, même nous, on allait poser la question au président du BBC Montais, Christophe Gros, question provocatrice évidemment, en disant mais vous n'avez pas meilleur temps de perdre à Genève et puis d'essayer de tenter de fêter le titre chez vous devant 1500 personnes, une ferveur incroyable. Mais les joueurs, le président, tout le monde a dit non, si on a une chance de finir cette série, on va la prendre au plus vite. Et ils l'ont prise. Aujourd'hui apparemment les Montaisans, sauf incroyable retournement de situation, le contre énorme de Giordani sur Pozic. Mais le contre illicite selon les arbitres. Oh, pas sûr qu'il touche son adversaire, vraiment pas sûr là. Giordani, il en rigole, il est expulsé, tout le monde en rigole sur le banc valaisan. Cinquième faute de Giordani. On vous l'a dit, avec 1 minute 40 à jouer, tout ce qui vient est un peu anecdotique. Il y a même le public valaisan qui chante rigolo. Très certainement en direction du trio arbitral. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ce soir, il a tenu le match.
Fedora très peu joué. Juraj Kozic ce soir. Mais Montet est vraiment tranquille avec ses 12 points d'avance et ses 90 secondes à jouer. Il faudrait un tremblement de terre, un cataclysme pour que Montet ne gagne pas. Et Young intelligemment qui est allé provoquer la faute après avoir laissé tourner le chrono. Le président des Lions de Genève un peu abattu, tout au bout du banc avec sa chemise blanche. Lui qui espérait que Montaigne ne vienne pas fêter le titre dans cette salle, dans sa salle. Le bon rebond de Gravett vers Chaz Williams, seul contre deux adversaires. Panier extrêmement difficile, il y avait certainement faute, pas signalé par les arbitres. Ils sont revenus à 10 points, une minute tout pile à jouer. De toute façon, il faut y croire évidemment jusqu'aux dernières secondes. Maintenant, il y aura des lancers francs sur chaque faute genevoise puisque la limite des 5 fautes d'équipe a été atteinte. Et les deux entraîneurs auront quand même beaucoup parlé avec les arbitres une nouvelle fois ce soir. Jean-Marc Jomain donc pour son tout dernier match à la tête des Lions de Genève. Le coach belge qui quittera le club au terme de la saison. Alors le scénario science-fiction, c'est que Young fasse 0 sur 2 et que derrière Genève aille très vite planter un panier à 3. Young fait 1 sur 2. 16 points pour le meneur américain. Et une faute de Duba apparemment qui sera lui aussi expulsé. Troisième expulsion dans cette rencontre après le Montezan en Jordanis. Et Sébastien Kiva qui demande au capitaine de se calmer. Cette faute sur Milka. Milka qui, nouvelle fois, va tourner à une dizaine de points. 9 points pour l'instant pour le pivot lituanien. Et 10. Bon, j'ai Monté qui doit quand même terminer cette partie sans deux hommes qui lui amenaient beaucoup de taille, Duba et If. Regardez la défense très haute sur le terrain, très, très agressive et fautive des Lions pour envoyer tout de suite un vrai sur la ligne des lancers francs. ...48 secondes à jouer. Et ce sera très certainement la stratégie des Lions de Genève si Montet rate ses lancers francs. D'aller tenter de marquer longue distance et ensuite de faire tout de suite la faute pour envoyer les Chablaisiens sur la ligne. Mais les Chablaisiens, ils sont tellement focus, tellement déterminés à aller chercher ce titre qu'on voit mal comment ils pourraient leur échapper. Et surtout si Genève fait faute sur Humphrey. Humphrey, il est en feu ce soir avec 19 points. Déjà, le shoot à 3. Juraj Kozic raté. Il y aura une nouvelle chance pour Genève. Chaz Williams, mais c'est fini. 37 secondes. Williams qui en plus rate ce layup. Ce tir en foulée. Wow, il rate une montagne derrière Milka. Heureusement pour lui, c'est bien repris. Et la faute immédiate, je vous l'ai dit, pour stopper le chrono. Vous ne le voyez pas à l'image, mais ils sont bientôt sur le parquet. Les supporters valaisans. Humphrey qui rate celui-là. Humphrey qui peut atteindre les 20 points personnels. Zéro sur deux, bel rebond pour Maza. Qu'est-ce qu'il a été bon et important quand même dans cette série, Rodrigue Maza.
Et on fait quand même la faute, mais c'est terminé. Monté va gagner. Monté va décrocher le troisième titre de champion de son histoire. Et pour le service de sécurité du Pommier, il s'agira d'empêcher les Valaisans d'envahir le terrain. Qui ne veut pas les titiller les 20 points. Moi j'avais noté 19, mais le tableau d'affichage 18. Mais je vous l'ai dit, c'est anecdotique. Tout comme ce panier de Chaz Williams. Ils ont plus besoin de défendre les Valaisans. Et ils vont aller être sacrés. Plus on ne fait pas la faute là à Genève. Markel Humphrey, top scorer, est déjà dans les bras des supporters. Victoire 77-69 du BBC Montaigne. Victoire qui ne souffre. Aucune discussion, tellement depuis trois matchs, le BBC Monta a été largement, largement supérieur au Lyon de Genève. Et la communion entre les nombreux Valaisans qui se sont déplacés au bout du lac ce soir pour fêter leur joueur, 12 ans après. Le titre de 2005, le BBC Montaigne retrouve la joie, la saveur d'un titre de champion suisse. Alors le carnaval, c'est une institution à Montaigne, c'était évident qu'on allait amener les confettis. Aujourd'hui, très belle image, évidemment on a une pensée aussi pour les Lions de Genève. Ça ne doit pas être très agréable de voir comme ça l'adversaire fêter dans sa propre salle. Ils ont souvent dit et redit qu'ils étaient une famille, les Lions de Genève, mais là évidemment ils sont abattus. Ils auront vraiment affronté une terrible adversité cette saison avec de très nombreuses blessures. Ballard au début, Ballard à la fin, malgré la blessure, il a joué ce soir, il y a eu Brandon Garrett. Bref, trop de tuiles durant ces playoffs, notamment dans le secteur intérieur, pour permettre à Genève d'avoir une vraie chance d'aller ce titre de champion. Genève qui a quand même réussi sa saison en gagnant la Coupe de Suisse et en étant finaliste du championnat. Puis ce soir, pour terminer l'analyse chiffrée, bah c'est 35% de réussite pour les Lions de Genève. Là, ils ont vraiment pêché contre 43% pour BBC Montaigne. C'est surtout longue distance, avec seulement 3 tirs réussis sur 24, 12 misérables pourcents. Illustré notamment par la maladresse de Kovac derrière la ligne des 6m75. Et Montaigne a finalement gagné la bataille de rebond 46 à 44. Tous ces chiffres qui expliquent ce succès final 77-69, victoire 4-2 dans cette finale des playoffs dans la série pour le BBC Montaigne. Et Imad Fatal, le président de Lyon de Genève, le plus proche de ses joueurs, Ballard quand même a signalé sa bravoure, hein, malgré, selon le staff genevois, une fracture, des fractures à une main et une fracture à un pied. Ballard a joué et a été bon ce soir avec 16 points. L'euphorie valaisanne. Une saison qui se termine en beauté pour le club qui aura vraiment vécu des tourments terribles après la finale de la Coupe de Suisse. Une multitude de suspensions, on vous l'a dit. L'image est cornée. Et finalement, il y a vraiment tout le public montaisan a fait corps suite à cette affaire. Un peu contre la fédération, un peu contre l'adversité. Et aujourd'hui, bah c'est toute cette peut-être la frustration qu'il y a eu, les divergences qui se transforment en joie ultime, sincère et communicative là dans les rangs montaisans. Brandon Young, numéro 22, l'un des grands artisans de ce titre de champion suisse,
il faut quand même rappeler qu'ils sont passés à une seconde de se faire éliminer en demi-finale, les joueurs du BBC Monteur. Il y avait... demi-finale à Lugano et il a été énorme dans cette série. Brandon Yang avec 16 points aujourd'hui, 30 points lors de l'acte numéro 3. Brandon Yang, c'est un joueur hors norme pour le championnat suisse. Le sourire de Giancarlo Sergi pour Brandon Yang qui mérite largement ce titre de MVP, de meilleur joueur de la finale. Brandon Yang, c'est seulement quand il joue beaucoup trop personnel qu'il nous déplaît, sinon bah, c'est vrai que voilà, il était un peu au-dessus de tout le monde avec Jordan Heath cette saison dans ce championnat de Liga masculine. Et la salle du Poivier qui rend hommage au Lyon de Genève, donc vice-champion suisse. Les Lyon de Genève qui ne décroche pas un troisième titre national après ceux de 2015 et 2013. Mais les Lions de Genève qui avaient quand même dominé le basket suisse dans cette période 2013-2015, il y avait eu des Coupes de la Ligue, des Coupes de Suisse, bref. C'est un club qui compte évidemment beaucoup dans le basket suisse et c'est Valentin Beckmann de la Fédération qui remet la médaille au perdant Roberto Kovács qui n'a pas été à la hauteur, il faut le dire, aujourd'hui numéro 14 Genevois, pas à la hauteur de l'événement. Avec seulement 5 points, seulement un tir réussi. Soirée cauchemardesque pour le top scorer genevois. Vladian lui aura fait ce qu'il a pu, le numéro 22. 12 points pour lui. Mais aujourd'hui, voilà, Monté a été meilleur un peu dans tous les secteurs. Et surtout dans l'envie, dans l'agressivité, dans la manière de faire les box-out pour récupérer les rebonds, dans la manière de se jeter sur tous les ballons. Alors que c'était le discours des Genevois quand même, hein, pour ce dernier acte. Bravo, chapeau à Antonio Ballard qui a décidé
malgré l'avis plutôt défavorable des médecins, numéro 8 des Lions, de jouer, blessé à une main et à un pied. Ballard a tenu son rang et Jean-Marc Jomain aussi va recevoir sa médaille. Donc il aura amené cette Coupe de Suisse cette saison au Lyon de Genève avant de quitter le club. Alors je crois pas qu'il y a de fête organisée ce soir dans la ville de Beauterre. Si les Valaisans nous écoutent, rien de prévu ce soir, l'équipe va rentrer très tard. Par contre, si j'ai bien lu le nouvel liste, c'est plutôt demain mercredi que devrait s'organiser quelque chose en ville de Beauterre pour le champion. Vous avez là-bas derrière le président du BBC Beauterre, Christophe Gros, qui est en train de serrer la main à quelques joueurs genevois. Genève aura quand même aura fait un très beau finaliste, hein. Mené 1-0 dans la série, aura réussi à gagner au repos-jeu et encore gagner à domicile pour mener 2-1, faire vraiment douter le BBC Beauterre qui s'est ensuite mis en mode quasiment imbattable depuis l'acte numéro 4, remporté 78-64. C'est la première fois vraiment qu'il y avait une grosse différence au tableau d'affichage. Et depuis l'acte 4, eh bien chaque fois les Montaisans ont été bien meilleurs. 78-64, 72-56 samedi en Valais. Donc aujourd'hui, 77-69 pour le BBC Montaigne, champion de Suisse 2016-2017. Le capitaine Jonathan Dubas, numéro 14, qui aura une nouvelle fois sorti un tout gros match ce soir. 16 points, 13 rebonds. Maza, numéro 4, à ses côtés également. Une rotation de choix, vraiment, cette saison pour le BBC Beauterre. Et le public valaisan qui est en train de scander le nom de l'entraîneur Niksa Bacevic. Alors les jeunes, évidemment, ils ont très peu joué ou quasiment pas joué de cette série, notamment Jerry Kuban, numéro 7. C'était normal, on s'y attendait, hein. Très peu de rotation dans les rangs jamaïcains. Ils ont souvent joué, fait tourner à 7 joueurs. Beaucoup moins de rotation que dans les rangs genevois. On pensait au début de la série que c'était un facteur qui aurait pu avoir une influence importante, hein, de surutiliser beaucoup, toujours les mêmes hommes à Beauterre. Mais finalement, en fin de match, ils n'ont jamais craqué. Ils n'ont jamais craqué, les Montaisans. Et ils ont été meilleurs. Barrage, l'étranger surnuméraire, Richard Frick qui reçoit sa médaille. Et Markel Humphrey, gigantesque aujourd'hui avec ses 19 points. Le top scorer, ancien joueur des Lions de Genève, qui a fait très, très mal à son ancienne équipe. Et Jonathan Dubas qui reçoit la coupe des mains de Giancarlo Sergi. Ce trophée de champion suisse. Victoire méritée pour Beauterre au terme de cette série. Du BBC Beauterre, champion de Suisse. Champion de Suisse 2016-2017 dans l'antre de leur rivaux Lyon de Genève qui les avait battus au final de la Coupe de Suisse. Au final donc le bilan c'est donc 2 trophées sur les 3 qu'ils visaient pour Niksa Bacevic et sa troupe. Une belle manière de célébrer les 50 ans du club. On va se quitter sur ces images de Liège. Félicitations donc au BBC Beauterre qui décroche le 3e titre de champion suisse de son histoire.
Une pensée évidemment aussi pour les Lions de Genève qui se sont battus avec le Zar malgré leurs nombreuses blessures et qui ont fait un très très beau finaliste. Je vous souhaite à tous une belle soirée et avec le plaisir de vous retrouver et de retrouver bien sûr pour vous le programme toujours très sportif sur les antennes et les différents vecteurs de la RTRS. Belle soirée à tous. Un, deux, un, deux, test son, si on peut me dire si on reçoit le son. Si vous voulez, si vous êtes supporter dans les arts, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont partis au centre du monde, il y a un temps là, vous êtes dans un temps, vous êtes parti du parti. Vous avez un temps pour partir du grand parti au centre du monde. Voilà. Merci, la police a fait la parole, on pourra plus se réveiller que ça sera fini. Merci.
One question. Okay. Bon, Jonathan Dubas, félicitations, ça y est, vous êtes champion, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup, beaucoup de bonheur et surtout ce petit sentiment de revanche sur Genève, d'avoir ce championnat, d'avoir fait 3 finales en une saison. On ne peut pas faire mieux, je crois. On a prouvé qu'on était vraiment une très bonne équipe sur la série et sur la saison. Surtout. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Notre esprit d'équipe, on a vraiment joué tous ensemble. On voit que tout le monde peut marquer, tout le monde défend et c'est là où on devient bon. C'est ce qu'on a manqué aux 2 matchs qu'on a perdu contre Genève, c'est qu'on n'a pas du tout joué en équipe, on s'aidait pas l'un l'autre et voilà, ça fait la différence. Et est-ce qu'il est encore meilleur ce titre par rapport à toutes les affaires qu'il y a eu après la finale de la Coupe? Oui, bien sûr, on avait envie de se venger de la Coupe et de gagner quand même un titre contre Genève, on ne pouvait pas leur laisser de titre cette année. C'est aussi une revanche contre la Fédération? Non, la fédération, moi, ça ne m'intéresse pas. On joue les équipes l'une contre l'autre et au final, celui qui gagne la série, qui gagne le trophée, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Merci, Jonathan. Ah, c'est... Un, deux, un, deux. On attend, ils sont allés chercher le joueur, ou je sais pas qui dans le vestiaire. Je m'entends, c'est parfait, merci. Comme ça, ça te va? Et tu me dis quand ça roule? Moi, je mettrai vite, comme ça. Ça marche. Ça roule? Roberto Kovacs, quel est votre sentiment après cette défaite qui donne le titre à Monté? Ouais, ça fait toujours mal. C'est un titre qu'on cherchait depuis le début de la saison.
Monté quand même a mérité ce titre. Ils ont une équipe vraiment forte. Ils ont bien joué pendant cette 6 matchs de cette série. Congratulations à eux. On a vu notre limite aujourd'hui un peu, personnellement aussi. Il faut se regarder un peu au miroir et ça c'est la réalité d'aujourd'hui et il faut travailler pour la suite. C'était dur aujourd'hui pour les Lions de Genève, très peu d'adresses, notamment vous, un seul panier. Comment on explique ce fait que chez vous, il n'y a rien qui rentrait? Comme j'ai dit, il y a des jours comme ça, Monté a fait un gros match. Il nous a empêchés de jouer notre jeu. Et après, ouais, quand tu n'es pas en confiance, le jeu, ça, la balle ne bouge pas, tu n'arrives pas vraiment à trouver des solutions. On a été mené de nos scores tout le match. C'est difficile aussi mentalement de revenir. On est revenu jusqu'à moins 4 à un moment, au troisième quart. On pensait de l'avoir et là on a fait peut-être 2-3 erreurs un peu stupides peut-être et on a donné un peu l'avantage encore à Monté. Dernière question, de perdre à la maison, ça fait encore plus mal? Ça fait toujours mal, je pense qu'à la maison, sérieux, ça fait toujours mal. C'est clair qu'on voulait pousser cette série au 7e match, au moins. Mais oui, je sais pas qu'est-ce que je dois dire, ça fait... Je suis déçu, c'est normal. J'espère que pour les supporters, ils ont bien aimé cette équipe, cette saison qu'on a fait. Personne ne voyait ici, peut-être il y a 3-4 mois, il faut être aussi réaliste, on avait beaucoup de choses, des blessures, beaucoup de choses qui sont arrivées dans le club. Globalement, je suis content et rien. Merci. Merci Roberto. Merci. C'est bon. Merci Roberto. Merci.